Comment tu m'as manqué, toi? Coucou! C'est la fille à qui ça? Wesh frère, tu te fous de ma gueule ou quoi là? Ça fait 2 heures que je t'attends, la cérémonie elle a commencé depuis 30 minutes, t'es sérieux toi? Mais toi t'es sérieux, ça fait 2 heures que je t'attends à l'aéroport parce que t'étais censé venir me chercher, je t'ai laissé 25 messages sur ton téléphone. Bah peut-être que j'ai oublié, tu t'es posé la question toi, monsieur personnel. Bah peut-être que dans ce cas-là on prévient les gens pour leur éviter de payer 85 balles de taxi. Et bah peut-être que j'ai cassé mon portable, hein? Tu t'es posé la question ça aussi? Une deuxième question, monsieur je sais tout, au final je sais pas grand-chose. Péter ta gueule! Ouais vas-y d'accord, mais par contre va te changer s'il te plaît, j'ai mis tes stops sur le canapé. Et dépêche-toi parce que c'est des bagaristanais, je te ferai dire. Des quoi? Des bagaristanais, des mecs du Bagaristan. Mais Bagaristan, pas Bagaristan, je m'en bats les couilles, ils vont faire quoi si on arrive en retard? Eh bah frère, ils vont nous baiser notre mère. Eh toi, ça se voit que tu les connais pas, les Bagaristanais. Eh, ils rigolent pas, frère. Ils sont pas comme nous, frère, là-bas, les bébés, ils ont pas des tétines à la naissance. Ils ont des protège-dents. Et tu sais, c'est quoi la pire insulte en plus là-bas? C'est que si t'arrives 30 minutes en retard, c'est comme si t'avais insulté toute leur famille. Oui, oui, c'est bien, mais c'est quoi ce délire de on est payé 300 balles pour aller à un mariage? Eh vas-y, s'il te plaît, frère, dépêche-toi, j'ai pas envie qu'on se fasse monter en l'air, là, sérieux. Toujours, je te suis dans tes plans bizarres. On va faire un cadeau, tu vois. Mais... Frère, c'est quoi ce truc trop mignon, là? Non, alors ça, t'y touches pas et surtout, tu lui donnes pas à manger. Vas-y, t'inquiète. Frère, je suis sérieux. Parfois, du fromage. Tiens. Oh, tête de... Tête de quoi? Ouais, c'est quoi ce délire, là? C'est quoi ce monstre là? Pourquoi t'as ramené ça à la maison toi aussi là? Pourquoi à chaque fois que je te dis de pas faire un truc, tu le fais quand même la putain de ta tante? C'est quoi cette maladie? Explique-moi, je t'avais dit de pas lui donner à manger. Arrête wesh! Putain frère, je devais aller chercher ma mère à l'hôpital, j'ai complètement oublié. Quoi? On s'en bat les couilles frère, vas-y, appelle-lui un taxi, on a peut-être d'autres priorités non? Mais gros, elle s'est fait un lifting ma mère, elle est complètement shootée avec l'anesthésie, je peux pas lui appeler un taxi, faut que j'aille la chercher là. Mais frère, je m'en bats les couilles, tu lifting ma mère là, mais t'es sérieux toi? Mais d'où on s'en bat les couilles, tu lifting ma mère? Faut appeler les pompiers, les pompiers là! T'es mal à gober ton téléphone comme un doliprane. Mais pourquoi t'as fait ça? C'est toi là aussi avec tes vieilles mains toutes transpirantes là. T'as même pas de grippe là. Depuis quand on a un téléphone fixe? Frère, c'est mon téléphone pro ça. Mais d'où pro? T'es même pas pro à FIFA, pourquoi t'as un téléphone? Excuse-moi, pendant que tu partais en vacances, moi j'ai taffé là. Excuse-moi d'avoir un numéro de sirène toi. Vincent, je suis à la mairie là, la putain de ta race. J'ai donné 3 000 euros pour ton pote qui épouse ma soeur. T'as intérêt de venir dans les plus bras de délai si tu veux pas que tu ouvres en eux. La putain de ta race. Il va arriver Vincent. Vincent! Putain, j'ai la mort. Attends, comment ça, je dois me marier avec une meuf? Mais vas-y, frère, on s'en bat les couilles. Eh, c'est quoi, tu te maries, en plus tu gagnes 300 balles et en plus je te trouve une meuf. Toi, jamais t'es dans la gratitude. Mais 300 balles, il t'a donné 3000 euros, je dois me marier avec une meuf, et tu sais ce que c'est un mariage? Et toi, tu sais ce que c'est un mariage? Mais tu sais quoi, je m'en bats les couilles, tu sais quoi, moi, je prends les 3000 euros et je vais aller me marier, moi. Y'a pas dit. C'est quoi, je crois, c'est barré. Hop. Ah, lâche-moi, putain de ta mère. Lâche-moi. Ça va? T'étais où? J'ai pas bougé d'ici. Frère, j'ai vécu l'enfer. Les bagaristanais, ils ont pas notre adresse. Non, je crois pas. Coucou, t'es où mon coussin? Je suis dans la salle d'attente depuis 30 minutes, tu réponds pas à ton portable. Puis je suis un peu dans le gaz encore à cause de l'anesthésie. Et madame, vous voulez des petits bonbons AMP, ça vous met bien? Oh, des bonbons toutes les couleurs. Super bon, c'est comme des Skittles. Eh ben c'est drôlement bon ces Skittles. Non maman, c'est pas des Skittles. Putain, mais pourquoi ma mère elle a le numéro de ta société? Ça rien, moi, regardez, ça n'est pas jaune. Ça, c'est pour la daronne. Putain, mais... Oh, oh, vas-y, lâche, putain. Frère, elle m'a craché dessus. C'est quoi ce bordel? Oh non! Toulouse, je vais faire arracher tes boyaux. Je vais faire la guitare avec, espèce de petite salope. Mais monsieur, monsieur, bon, calmez-vous. Qu'est-ce que tu fermes ta gueule? Tu vois? Ça c'est ma sœur et elle a jamais été autant humiliée. Je vais te dépecer. Et ensuite, c'est ce que je vais faire. Vas-y, dis-lui, moustache, ce que je vais faire avant, ferme ta gueule. Je vais prendre ta peau, je vais la faire bouillir pour qu'elle soit bien lisse. Et je vais en faire une putain de piste de poulie. Et toi, tu vas gober tes couilles. Une par une comme des putains d'œufs de Pâques, espèce de fils de pute. Diable! C'était elle, sa sœur? Mais ouais, mais toi, tu fais jamais confiance aussi, frère. Jamais, t'es dans la... Frère, jure la vie de ta mère, elle vole. Mais toi, jure la vie de ta mère, c'était elle, sa sœur. Eh, hey, frérot, tu sais quoi? Tu ramènes plus de souvenirs de tes voyages, là, sérieux. Eh, hey, madame Jérémy, ça va ou quoi? Wesh, frère, là, quoi, ta daronne? C'était pas des Skittles. C'était des M&M's.
Ouais, ouais, ouais. La daronne, ouais, ouais. Frère.